Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 44, Yelaya. Cet ange gardien introduit au sein du cœur des vertus l'énergie martienne. Il conduit ses protégés à la victoire dans toutes sortes de luttes. Il est la Jeanne d'Arc des anges. Yelaya sera d'un grand soutien pour transformer votre violence en force et chercher des voies de conciliation. Cet ange gardien peut vous aider à développer votre capacité d'écoute des autres. Cet ange lié au karma vous viendra en aide si vous avez besoin de corriger une action dont vous n'êtes pas fier ou un élément de votre passé. Yelaya peut également vous mettre à l'abri des agressions et de l'agressivité si vous évoluez dans un climat tendu. Le texte traditionnel dit que la personne peut avoir une grande réussite dans la carrière militaire, car cet ange lui fera sentir la meilleure façon d'exprimer son désir de lutter. Dans la vie civile, il sera aussi un lutteur par la seule présence de son ange gardien. Mais celui-ci ne lui prêtera pas main forte, sauf dans le cas de beaucoup de prières, car même si les luttes de la personne sont légales, elles risquent d'être illégitimes du point de vue cosmique et ainsi engendrer du karma à payer dans une prochaine existence, ce qui retarderait l'évolution de la personne. Quoi qu'il en soit, la personne ne doit pas renoncer à vivre des émotions fortes, mais toujours, avant, pendant et après son action. Elle doit prier son ange gardien. Prière à l'ange Yelaya. Ange Yelaya, si j'ai été choisi par toi comme instrument de ta justice, garde-moi à l'intérieur de ta lumière et ne permets pas que mes sentiments débordent, me poussant à faire justice moi-même. Guide-moi, ange Yelaya, vers les livres de sagesse, où je puisse m'instruire sur les lois divines, sur l'organisation et sur le fonctionnement du cosmos. Fais-moi réussir dans des emplois, dans des travaux, dans des entreprises utiles réellement aux humains et à l'œuvre divine. Et puisque ta force me sera accordée, fais de moi ce héros qui, par son comportement, fait faire à la société un magistral bon en avant. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.